dans sa vie. On est pris dans un nid de chair et de tendresse, une étreinte infinie qui nous lie, nous délivre une sagesse. Tout déjà est acquis, mais pour qui? Des secrets trahissons-nous le geste d'amour qui unit, désunit et nourrit les regrets. Nous sommes ici dans la chapelle des apparitions. Ici, nous voyons la mosaïque où Marie se tenait à 8 reprises et le triptyque, l'image en 3 parties, nous donne une idée comment elle était. Un homme et Maria dont l'enfant ne serait pas une statue est une prière sans foi, mais une lettre offerte à ceux qui n'écrivent pas pour que les mots résonnent enfin comme un Ave Maria. Vêtue de blanc, avec la ceinture bleue, le chapelet au bras, elle avait les mains jointes et elle regardait Mariette. Elle souriait et Mariette a toujours dit « Ah, elle était belle !» Elle me souriait, elle était si bonne pour moi. À vous, à nous, à ceux qui trouveront une paix, une terre, une harmonie, une infinie raison, sans raison d'être sans être mis. Ceux qui mal y pensent, qu'ils le pensent, à bientôt, mais dans une autre vie, dans celle-ci qu'on se donne une chance de tout recommencer. Voilà, ça c'est ce qu'il y a à découvrir ici, dans la chapelle des apparitions. Alors on a mis un texte en latin. En venant ici, elle a voulu ouvrir son cœur. Donc c'est Marie qui ouvre son cœur à l'humanité avec toutes ses souffrances. Un homme et Maria, tout l'enfant ne serait pas une statue et une prière sans foi, mais une lettre offerte à ceux qui n'écrivent pas pour que les mots résonnent enfin comme un Ave Maria. Un Ave Maria pour ceux qui ne prient pas, pour que la musique soit à nouveau la voix d'un aveu impudique, pour ceux qui ne croient pas en tout ce qu'ils méritent enfin. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria.